Voilà, désolé, 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 désolé. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez maintenant. Voilà, désolé pour le son, mais quand je suis en off, je coupe le son. Voilà, et parfois, dans l'émotion de vous retrouver ce soir, j'oublie de l'activer. Merci Simon. Super. Voilà, merci. Bonjour Emilien, bonjour Justine, merci pour ta vidéo. Bonsoir Angelo, bonsoir Nicolas, voilà, bonsoir à tous. Comme je disais en off, je suis très content de vous retrouver pour cette sixième séance live de CEFTV. Et vraiment, la communauté des entraîneurs francophones de football est vraiment heureuse de pouvoir mettre cet outil à votre disposition afin d'alléger un petit peu votre fardeau sans foot et de tenir le coup lors de cette période de confinement. Et tout à l'heure, on aura justement je vais vous annoncer une petite opération qu'on va faire tous ensemble et j'espère que vous allez tous participer afin de redonner un petit coup de boost à tout le monde, à tous les acteurs du football et aussi à tous les citoyens en général afin de continuer à tenir le coup car on voit malgré tout, malgré les chiffres, on voit quand même une légère amélioration et nous viendrons à bout de ce virus. Alors, comme je le disais en introduction, ce soir le thème sera le big data ou comment interpréter les chiffres. L'intervenant de ce soir, qui est déjà connecté, je l'ai vu, sera Stéphane Fernandez-Medeiros, qui est diplômé UEFA, mais qui est aussi mathématicien. Et alors, on sait qu'aujourd'hui, on calcule tout, on enregistre tout, que ce soit au niveau des distances parcourues, du nombre de passes décisives, et on voit que les faits et gestes des joueurs de football sont enregistrés et analysés de manière ultra précise lors des entraînements, pendant et après les matchs. Maintenant, faut-il savoir ce qu'on va faire de toute cette masse d'informations et comment la traiter et comment l'interpréter aussi. Donc voilà, donc Stéphane va un peu nous initier ce soir au Big Data et de voir comment interpréter finalement les chiffres. Voilà, alors avant de commencer, j'aimerais vraiment que vous me disiez de quel club vous veniez, comme ça moi je vois un peu de quelle région vous êtes, j'en connais certains, mais si vous pouviez indiquer en attendant que tout le monde puisse nous rejoindre, le club d'où vous provenez, ou votre nouveau club pour la saison prochaine, ça ce serait vraiment sympa de savoir d'où vous venez. Alors, bonjour Stéphane. Alors, je vois qu'il y a Rebécoise, Compogne, Rebec, Hombourg, région vervétoise, Simon. Ben, c'est bien. C'est déjà côté Hainaut, côté Liégeois. Bruxelles avec le Crossing Scarbet. Bonjour Hassan. Alors, il y a Bossière. Ça, c'est dans le Brabant. Alors, il y a Blois Football. Il y a le Stade Brennois. Ça, c'est bien. Kreinheim, encore Trau. Châtillon, Châtelet. Raphaël Caputo, Cellule Scouting, voilà. Et ben, on a un arbitre aussi, on a Fabien Espreman qui est un arbitre, voilà, qui est un peu aussi le modérateur sur ce chat et qui m'aide depuis le début. Donc je salue Stéphane et merci pour ton aide. L'Union Saint-Gilloise, voilà, Auclan, Tamines, Jette, Chastre, Bossière, de la région de la Muroise. Bonjour Michael. Mézency, on a Luxembourg. Ben voilà, je pense que toutes les provinces sont représentées. Je pense, oui, tout à fait. Voilà, bonjour Luxembourg. Templin d'André avec Alain Derwal. Ben voilà, je crois que c'est une belle représentation. Alors ce soir, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, à intervenir, même si dans certains, je le dis toujours, même s'il y a certains thèmes qu'on développe, vous paraît facile parce que vous avez de l'expérience, des connaissances dans ce domaine-là. N'hésitez pas aussi à vous connecter et à faire profiter justement à toutes et tous de vos savoirs et de votre expérience. Le but de la CEF, comme j'ai déjà répété de nombreuses fois, est vraiment de pouvoir partager nos connaissances et nos expériences de terrain. Voilà, alors, comme je vous disais en introduction, Juprel, bonjour Eric. Comme je disais en introduction, on va lancer au niveau de la CEF, essayer de faire une vidéo avec le plus de petites capsules possibles à l'attention de nos collègues entraîneurs, de tous les acteurs du foot, pour vraiment continuer, donner un coup de boost, à continuer à rester motivé pour ce confinement, même si ce n'est pas facile, que ce soit pour les gens qui restent en télétravail, qui ont des enfants, gérer le conjoint ou la conjointe, pour ceux qui travaillent aussi, voilà, en première ligne. Et ça, je pense qu'on est tous concernés. Et je pense que dans l'action qu'on va
qu'on va mettre, que je vous ai indiqué dans quelques instants. Voilà, le but c'est vraiment de m'envoyer une petite vidéo de 10 secondes maximum avec un message, soit un message fort, un message rigolo, un mime, mais tout ce qui pourrait justement donner un peu de motivation et de baume au cœur à nous tous pendant cette période de confinement. Mais le but, c'est vraiment de mettre ça de bout en bout afin de voir qu'il y a finalement, on est tous ensemble, qu'on joue tous ensemble dans la même équipe et que dans cette équipe-là aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de rouge, de bleu ou de vert ou de mauve. Voilà, on est tous dans la même équipe et on doit gagner ce match contre le coronavirus. Donc je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment sur vous pour m'envoyer ces vidéos. Je vais vous montrer deux exemples. Alors, Coach Gwen me dit, moins bonne image que les autres. C'est peut-être à cause de la lumière aussi. J'essaie de jouer avec la lumière pour pas être trop exposé, pas assez exposé. Mais voilà, je vois que maintenant le soleil se couche. On a de la chance qu'aussi les journées se rallongent. Donc voilà, pour notre petit défi, je vais vous passer deux petites vidéos pour vous donner des idées. De ce que vous pouvez m'envoyer, soit par WhatsApp sur mon numéro de téléphone, soit par Messenger ou par mail. Voilà, bonjour Hugo. Alors voilà, je vais vous passer les deux petites vidéos, comme ça vous savez un peu ce que vous pouvez m'envoyer. Il ne faut jamais abandonner et toujours garder confiance en soi. On vit forcément des moments difficiles, mais les obstacles que l'on rencontre nous rendent encore plus déterminés à réaliser nos rêves, envers et contre tout. Alors, gagnons ce combat ensemble et prenez soin de vous. Parfois, nous sommes adversaires. Parfois, nous sommes concurrents. Parfois, nous sommes rivaux. Cette fois, l'adversaire n'est pas une équipe de foot. C'est un fléau qui pollue notre quotidien. Alors pourquoi, cette fois, ne pas faire partie tous de la même équipe pour la vie? Je vous aime, je pense à vous et soyons unis face à ce fléau qu'est le coronavirus pour s'en sortir tous grandis. Voilà, donc vous avez peut-être reconnu Sabine Broncard, qui est de la région namuroise, qui est contact provincial pour la province de Namur, et aussi Jean-Jean, les Liégeois le connaissent, Jean-Marie Rauque de l'UCE Liège, et qui voilà, nous a fait le plaisir de nous envoyer cette petite vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-le deux, trois, quatre fois. Okay. L'important, c'est vraiment le message. Vous inquiétez pas, j'ai Photoshop, je sais tout retoucher. Voilà, donc le but c'est vraiment à partir de la semaine prochaine recevoir le plus de vidéos possible. Ne soyez pas gênés, l'important c'est vraiment le message et qu'on puisse vraiment créer cette chaîne, cette plus grande chaîne de messages vidéo à l'attention du monde du football. Et vous savez aujourd'hui que la Pro League a décidé, donc pour que ce soit encore entériné le 15 avril lors de l'Assemblée générale, a décidé d'arrêter le championnat. C'était quasi inéluctable. À cette période-ci, car on ne sait pas encore quand on va pouvoir sortir du confinement, même si on voit qu'au niveau de l'autorité fédérale, on est en train de réfléchir sur un plan de sortie. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Aussi, motivez aussi vos collègues coachs, vos amis coachs dans d'autres clubs. Donc, on va vraiment essayer de faire la plus grande chaîne tous ensemble afin de nous motiver à continuer à se battre contre ce virus, mais aussi à gérer ce confinement. Voilà. Alors, nous allons commencer dans quelques minutes. Ah oui, alors à l'issue du live, comme maintenant deux, trois lives, vous pourrez remporter soit le premier magazine de l'ASEF, donc le magazine Zone Technique, avec une interview de Roberto Martinez, ou soit le brassard, voilà, faire comme ça, un peu de coordination. Ou soit le brassard de l'ASEF. Voilà, donc il y aura deux personnes qui pourront gagner le magazine ou le brassard. Donc il y aura un tirage au sort qui sera fait vers 20h55, un peu vers la fin du live. Alors, petite nouveauté aussi. Donc vous avez vu que depuis le début, et je me répète pour ceux qui étaient là hier soir, mais pour les nouveaux, vous avez vu que depuis le début, on passe en fait des vidéos de nos intervenants qu'ils préparent à l'avance. Au départ, c'était pas ça le projet, c'est qu'on voulait vraiment qu'il y ait une interaction en live de l'intervenant, même s'il est présent sur le chat, ce n'était pas trop confortable pour l'intervenant de pouvoir répondre à toutes les questions de manière précise et complète. Alors, on a travaillé sur une idée, une solution de live qui sera complète la semaine prochaine.
Mais ici, comme Stéphane avait déjà préparé sa présentation sur vidéo, voilà, on n'allait pas faire, on n'allait pas jeter son travail à la poubelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer on va passer la vidéo. À la fin de sa vidéo, vous pourrez de toute manière interagir sur le chat avec lui pendant la diffusion de sa vidéo. Mais à la fin, nous, on va passer sur Zoom. Vous n'avez juste qu'une chose à faire, c'est reprendre le second live qui va arriver sur notre chaîne YouTube. Donc nous, à un moment donné, on va quitter. Vous nous verrez, n'inquiétez pas. On va quitter ce live et il faudra juste se reconnecter au nouveau live qui va apparaître sur notre chaîne YouTube. Et là, à ce moment-là, vous aurez Stéphane qui sera en live et qui va répondre à vos questions en direct. Donc vous pourrez les poser sur le chat. Moi, je les lirai et lui pourra y répondre directement. Ce sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus sympa et beaucoup plus interactif aussi avec vous. Et Stéphane pourrait être beaucoup plus complet dans ses réponses que les écrire ici sur le chat. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, on va passer maintenant à Stéphane, donc sur cette thématique qu'il a développée, donc Big Data ou comment interpréter les chiffres. Je rappelle que Stéphane est UFAA et il est aussi mathématicien. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de livres aussi sur le sujet. Stéphane en parlera aussi dans sa vidéo, vous verrez. Donc il y a pas mal de références. Merci Nico. Donc voilà, je vais lancer l'intervention de Stéphane. Réagissez ici pendant le live. Et puis à la fin, je vous donnerai les instructions pour pouvoir interagir avec lui après sa diffusion. Voilà. Alors si vous êtes prêts. Ok, je crois que tout le monde a. Ok, bonjour Jérémy. Alors, ce que j'ai. Avant de passer à la présentation de Stéphane, je suis content des lives, vous savez pourquoi? Parce que généralement, quand on organise des activités avec la CEF, moi je suis dans mon mode organisation. Et donc, souvent, et même surtout pour les colocs, moi ma frustration, c'est un, non, je suis content de voir que beaucoup de monde, maintenant, il y a un dynamisme pour suivre les activités de la CEF, qui a un dynamisme pour continuer à se former, ça c'est important. Mais moi, ma frustration, en fait, c'est quoi? C'est que pendant mes activités, j'ai pas souvent le cas de pouvoir discuter avec vous. Vous venez me dire bonjour, c'est super sympa, j'échange un petit mot avec vous, mais ma frustration, c'est vraiment de ne pas pouvoir plus échanger avec vous physiquement. Voilà. Et c'est encore pire maintenant parce que voilà, on est en live, mais ici, voilà, je peux prendre le temps de discuter avec vous et ça, c'est top. Et voilà, je suis content d'être avec vous 2 fois par semaine pour ce live et vous donner un peu de foot. Et voilà. OK? Allez. C'est parti, je lance la vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son ou d'image. Donc je vais lancer ça. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Voilà, à tout à l'heure. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir faire cette présentation sur un sujet qui est un point commun entre deux grandes passions finalement dans ma vie, entre ma partie professionnelle où je suis informaticien et la partie football où j'assure notamment les cours pour la CFF. Alors, rapide introduction sur le thème. Un sujet pas évident, ce qui peut paraître obscur par moment, ça peut paraître contre-intuitif ou pas forcément toujours clair. Mais on va essayer de clarifier ça ensemble. Un sujet difficilement accepté, nombreuses discussions que j'ai déjà pu avoir où finalement les gens sont pas convaincus, ne font pas confiance ou juste même réticents à vouloir apporter plus de technologie dans le foot en justifiant que finalement la façon dont on fait pour le moment marche très bien, alors pourquoi vouloir faire autre chose ou donner les clés même à un ordinateur? Et c'est un sujet où il y a énormément à dire et où le temps est compté, et donc il a fallu faire des choix. J'espère que ceux-ci vous conviendront. Alors, commencer par une petite définition de Big Data, parce que c'est, on va dire, deux mots qui sont employés souvent à tort et à travers. Alors, pas confondre ce qui est Big Data et ce qui relève finalement simplement de beaucoup de données. Donc, on désigne vraiment ce qui est Big Data, un ensemble de données tellement grand que l'intuition et la capacité humaine pour analyser ça ne suffit pas, et même de certains outils informatiques. Et donc il faut aller plus loin dans ce qu'on a comme gestion de données ou de traitement de l'information. L'envie d'avoir du big data dans le sport vient, je pense, d'un film que vous avez peut-être beaucoup vu. C'est Moneyball. Ça raconte l'histoire d'un entraîneur de essayer de Baseball. contourner un peu le jeu et de faire avec son petit budget pour recruter
autrement, et donc pas forcément aller chercher des stars, mais des joueurs qui pouvaient performer dans son contexte. Et donc il s'est aidé d'un adjoint qui utilisait une approche statistique pour mieux recruter. Et bon, ça a failli marcher, il s'est rapproché du titre sans y arriver, mais ça a été un pionnier dans le domaine. Et finalement, on voit aujourd'hui qu'aux États-Unis, énormément de sports ne peuvent plus se passer de big data. Le foot commence petit à petit, certains pays sont plus en avance que d'autres, comme on le verra plus tard. Alors, on va vite raconter deux petites anecdotes, en tout cas la première sous forme d'exercice. Voici des données, statistiques classiques d'un match, nombre de shots. Essayez de deviner, à tout du moins sans trouver le score précis, mais qui a gagné, est-ce qu'il y a éventuellement match nul? Je suis sûr que si on récupère les réponses, on voit que l'équipe A a plus shoté, fait moins de fautes, eu plus de corners, plus d'hors-jeu, plus de possession, plus de temps de jeu utile. Je crois qu'il y a fort à parier que les gens diraient, bah, vu ces chiffres, vu ces statistiques, l'équipe A doit être victorieuse, ou un match nul, ou alors éventuellement l'équipe B a gagné, mais on va pas dire que ça ressemble à un hold-up, mais on aurait quand même l'avantage à l'équipe 1. Et pourtant, c'est un match que vous avez tous vu, et je suis presque sûr que peu auraient pu prédire qu'il s'agissait de ce match de Coupe du Monde en 2014, que personne n'a oublié. Donc comme quoi finalement, on voit ici un besoin de mieux pouvoir lire un match, où les statistiques, on va dire classiques, celles qu'on nous présente tout le temps à la fin du match, ne sont peut-être pas le meilleur reflet qu'on peut avoir d'un match. Une autre anecdote, je vous mets Sir Alex Ferguson et Jaap Stam. Alors, j'ai pu le lire dans différentes sources qui vous seront présentées tout à la fin. Jaap Stam, c'est ce que Sir Alex Ferguson considérait être sa plus grosse erreur. Son plus gros regret, c'est d'avoir vendu ce joueur au début des années 2000. Et ce qui se dit, c'est qu'il l'aurait vendu car il s'est rendu compte que Jaap Stam taclait moins. Donc il s'est dit, ah, j'y vois peut-être un signe de vieillissement du joueur, il est peut-être temps de s'en séparer avant qu'il fasse l'année de trop chez nous. En fait, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il était moins bon, ou qu'il avait moins le physique pour, c'était juste que sa lecture de jeu était meilleure et qu'il avait moins besoin de tacler. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement, il faut faire aussi attention à la façon dont on lit les chiffres et les statistiques, et qu'elles peuvent parfois nous induire en erreur. Alors maintenant, ce qu'on va regarder finalement, c'est, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, quels sont les intérêts du big data dans le foot? Et j'en vois principalement trois. Le premier, permettre de mieux lire un match, a priori en post-analyse, donc voir, comme on l'a vu tout à l'heure, sur base des statistiques de Brésil-Allemagne, essayer de comprendre, rien que sur base des chiffres, la physionomie du match. Le deuxième, c'est de mieux juger les joueurs, principalement dans une optique de recrutement, mais aussi simplement de, même en tant que coach, essayer de voir au sein de son équipe quel joueur a plus d'influence sur le jeu qu'un autre. Et le troisième, c'est aussi, finalement, on trouve beaucoup de littérature là-dessus, mieux parier, mais c'est un point que je ne vais pas aborder ici. Alors, en termes de mieux lire un match, la première statistique que j'ai envie de vous présenter, c'est une qui commence quand même pas mal à percer maintenant, même pour des non-initiés, c'est ce qu'on appelle les expected goals. Alors, pour essayer de faire simple, vous voyez ici un map de terrain avec des pourcentages et considérez que chaque case représente la probabilité de marquer depuis cet endroit. Alors on peut voir qu'il y a des 100% très loin du goal. Ça se traduit par le fait que finalement il y a eu très peu de tentatives de ces endroits et que donc s'il n'y en a qu'une et qu'elle a réussi, mais on considère qu'il y a 100% de chances de marquer de là. Il faut relativiser ces chiffres. Ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment à l'approche du grand rectangle adverse ou même dans le petit rectangle où on voit des pourcentages qui peuvent aller à 60, 50% de chances de marquer. Ça veut dire que simplement si un joueur tire de cet endroit, on considère qu'il aura marqué 5, 6 fois sur 10. Et au plus on s'éloigne, a priori, au plus ce pourcentage de chances de marquer va diminuer. Alors en quoi ça permet de lire un match? Mais on va prendre un match que beaucoup connaissent, qui est quart de finale de la Coupe du Monde 2018 entre la Belgique et le Brésil. Où finalement, si on regarde cette métrique, et donc on considère qu'à chaque shot qui a été effectué au fil du match, on y attribue la valeur, la probabilité de marquer, qu'on somme tout ça, finalement on obtient alors un score qui ne veut pas dire grand-chose de 2,28 à 0,37. Ça veut simplement dire que sur base des occasions qui ont été créées sur ce match, le Brésil aurait dû marquer en moyenne 2 goals, un petit peu plus, et la Belgique ne serait même pas arrivée à marquer 1 goal. Maintenant évidemment, c'est que des probabilités,
Parfois, vous avez une chance sur 100 de marquer, ben, vous avez la bonne chance, vous marquez. Et le foot, ben, c'est des goals entiers, c'est pas des goals à virgule. Donc ce qui compte finalement, c'est d'en mettre plus au fond, pas simplement les probabilités. Si on regarde dans le même tournoi, la finale, score de 4-2, on se dit que finalement c'était un match spectaculaire, qu'il y a dû y avoir beaucoup d'occasions. Oui, il y a eu des occasions, mais si on regarde finalement, la France a fait assez de travail pour en moyenne marquer un goal, la Croatie pour marquer un petit peu moins d'un goal. Donc finalement, un match assez serré, pas tellement riche en grosses occasions. La plus grosse occasion, on le voit, c'est le penalty d'Antoine Griezmann, qui rapporte pas loin de 60%, 70%, ça dépend des modèles. C'était vraiment la plus grosse occasion du match, d'ailleurs elle a été convertie, mais finalement un match où les occasions n'étaient pas énormes et pas si nombreuses. Ou en tout cas peut-être nombreuses, mais pas de grosses occasions. Alors, les expected goals, il y a beaucoup à dire dessus. Déjà, il faut savoir qu'il y a différents modèles. Et qu'en fonction des modèles, certains vont tenir compte ou pas du nombre de joueurs adverses entre la balle et le goal. Certains vont tenir compte du type de shot. Vous savez, donc au sein d'une case, on va pas forcément regarder tous les tirs. On va peut-être différencier pardon, les coups francs, les pénaltys, les frappes en une touche, les frappes en plusieurs touches. On peut aussi varier la taille de la zone de shot et donc ça va influencer sur la probabilité puisqu'on va prendre plus de goals dans cette zone mais aussi plus de tentatives ratées. Donc tout ça va influencer le résultat final que vous allez obtenir et plein d'autres paramètres. Alors à titre d'exemple aussi, pour vous prendre un goal bien connu, cette reprise de volée de Van Basten, la probabilité estimée de ce goal c'est à 2%. Ça veut dire que s'il le tente 100 fois, il va la marquer 2 fois en moyenne. Après, la qualité du joueur influence aussi et quand on dit qu'on fait des moyennes de beaucoup de tirs sur différents endroits du terrain, mais c'est aussi en tenant compte de différentes valeurs techniques des joueurs, on va dire. Et c'est pour ça qu'on parle bien de moyenne. Certains joueurs vont peut-être être un petit peu meilleurs, d'autres un peu moins bons. En moyenne, voilà la valeur qu'on obtient. Alors, bien faire attention avec les expected goals. Il ne faut pas considérer que c'est le vrai résultat d'un match, mais plutôt de la version du match qui a eu lieu. Pensez simplement au fait que si vous encaissez un goal, vous n'allez pas forcément réagir de la même façon que si vous gardez l'avantage tout le match. Donc c'est juste pour le match qu'on a vu, en considérant les occasions qu'il y a eu, voilà les chances qu'il y avait d'avoir des goals et voici ce qui aurait été un résultat qui se serait produit dans la moyenne des matchs s'ils avaient été joués beaucoup de fois. Alors cette mesure, les expected goals, nous permet d'introduire ce qu'on appelle les expected goals chain. En fait, on va regarder l'ensemble de la suite ininterrompu de passes. On considère toutes les passes successives qui ont mené au goal sans interception de l'adversaire et on va attribuer la valeur moyenne du shot final à tous les joueurs qui sont impliqués dans cette chaîne. On va donc pouvoir attribuer cette valeur à tous les joueurs. Alors concrètement, voilà, imaginons ici un exemple très basique, la balle qui passe du gardien au défenseur latéral, un milieu, un ailier, un attaquant, il shot. Si on considère qu'il avait 72% de chances de marquer de cet endroit-là, on va donner cette valeur à tous les joueurs. On somme cette valeur, enfin, ces valeurs pour chaque joueur finalement dans tout ce dans quoi ils ont été impliqués sur le match. On obtient une moyenne pour les joueurs. Alors ici, on a des chiffres qui datent d'il y a 2 ou 3 ans. Et donc là, ben, on peut voir par exemple qu'un Lionel Messi est impliqué en moyenne dans 1,73 goals. Attendu de son équipe. On peut voir un peu plus bas Suarez qui est impliqué dans 1,38 goals. Attendu, à nouveau, c'est des moyennes, ça devrait se produire, ça ne va pas forcément se produire. Et alors surtout, ne pas croire que avoir Messi et Suarez dans votre équipe, ça vous donne 3 goals d'avance. Il y a sûrement des chaînes où ils sont en commun, et donc ben, il doit y avoir sûrement une grosse partie de la valeur de Suarez qui se retrouve dans Messi, où l'un a fini l'action ou l'autre, vice-versa. Ce qui peut nous amener aussi pour un peu mieux voir, finalement, c'est un indicateur qui va favoriser les joueurs offensifs, celui qui fera la dernière passe, ou le goal. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on fait la même chose, mais on enlève les shots et les assists? Donc finalement, notre séquence de tout à l'heure, on attribue quand même la valeur de l'expected goal du shot final, mais on ne l'attribue pas ni au buteur, ni à celui qui fait l'assist. Ça peut donner des choses intéressantes. Comme on peut le voir ici, on voit 5e position, Pep, qui est un défenseur, qui sera impliqué en moyenne dans ce qui devrait être un goal par match pour son équipe.
On peut voir Dybala, qui lui est plutôt un joueur offensif, mais qui n'était pas dans le tableau précédent. Et donc finalement, ici, on peut aussi voir l'influence de joueurs un peu plus reculés dans le terrain et voir leur implication dans ce qui peut amener des grosses occasions de goal. Au plus la valeur d'un expected goal est énorme, au plus on considère que c'est une grosse occasion, au plus elle est faible, au plus on considère que c'est une petite occasion. Maintenant, tout ça ne nous aide pas à grand-chose. Il faut aussi pouvoir se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment important finalement dans ce tableau de voir un écart de 0,2% finalement entre les joueurs? Non, pas tellement. Ce qui est vraiment intéressant comme analyse à faire, c'est de voir pourquoi certains joueurs montent ou descendent dans ce classement, pourquoi ils apparaissent ou pourquoi ils disparaissent, et se rendre compte finalement de leur influence dans le déroulé du match et dans le déroulé d'une action. Certains vont plus être à la finition, certains vont plus être à la pré-construction, ce qu'on va appeler ça, ce qui apparaît pas finalement dans beaucoup de statistiques qui sont les goals et les assists, mais il y a des joueurs qui apparaissent aussi avant. Alors ces expected goals, on peut aussi en faire autre chose, on peut en faire une mesure défensive, notamment pour quand on prend les expected goals against, donc ceux qui sont contre nous, qui permet alors d'être un indicateur pour les gardiens, qui concerne les arrêts, donc tout ce qui est frappe cadrée, et qui donc est à comparer aux goals réellement encaissés. Alors là, à nouveau, des chiffres d'il y a 2-3 ans. Ce qui est intéressant de noter, par exemple, tout en haut du classement, David De Gea, qui en théorie aurait dû encaisser plus de 42 goals, qui en pratique en a encaissé 37. Donc, ça veut dire qu'il a quand même une certaine valeur ajoutée, puisqu'il a pu éviter à son équipe 5 à 6 goals sur base de ces chiffres-là. Si on regarde un petit peu plus bas dans le classement aussi, ce qui est drôle de comparer, c'est la situation de Mignolet et de Karius qui étaient à la lutte pour le poste de titulaire. Et de voir que finalement, Mignolet performait un petit peu mieux que Karius, puisqu'il n'a qu'une différence d'un goal. Il aurait dû en encaisser 17, il en a encaissé 18. Là où son concurrent aurait dû en encaisser 35 et en a encaissé 39. Et donc là, au plus la différence va vers les goals réels, au moins, a priori, le gardien a une bonne influence sur les tirs arrêtés. A l'inverse, au plus cette différence est grande, comme pour De Gea, au mieux c'est pour le gardien. Voilà, ça c'est pour la partie expected goals. Alors maintenant ici, ce qu'on va voir, c'est une métrique qui permet d'un peu mieux comparer tous les joueurs finalement, même si on va dans du poste par poste, sans forcément penser au goal marqué, mais en essayant de voir l'importance et l'apport des joueurs dans le jeu de leur équipe. Et finalement, pourquoi vouloir mieux juger des joueurs et comment? Et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces big data? Mais c'est finalement, comme mis ici, donc à la place des émotions, on a des faits maintenant. Donc on peut vraiment comparer, on va pas dire des pommes et des pommes, des poires et des poires, mais on a des métriques où on peut prendre deux joueurs et voir simplement lequel est meilleur et choisir en fonction des métriques qui nous intéressent le plus et des profils qui vont le plus nous intéresser, tel ou tel joueur. Pas oublier aussi que finalement, ce qui se fait énormément dans le recrutement, c'est d'y aller à l'œil, j'ai envie de dire, mais l'œil ne voit que ce qu'il a envie de voir et va peut-être rater des choses, il est faillible. Et au plus il sera fatigué, au moins il aura tendance à voir. Alors, aussi, vous parlez de ce simple exemple, il y a quelques mois, Anderlecht sortait un communiqué pour ses supporters et dedans parlait de Current Impact Score pour essayer de justifier ses choix de recrutement et de construction d'équipe. Donc on voit que finalement, ça commence aussi petit à petit à prendre en Belgique, ça rentre même dans la communication vis-à-vis des supporters. Et aussi, vous montrez deux exemples de recrutement, de clubs qui ont recruté de manière extraordinaire il y a quelques années, qui sont donc Leicester et Hoffenheim, qui sont des clubs très à la pointe dans ces domaines. Mais il y en a d'autres. Alors la donnée dont j'ai envie de vous parler, c'est le packing. Alors c'est un peu un couteau suisse, il y a énormément de données qui sont reprises dans ce thème. Mais celle que j'ai envie de vous montrer concerne les passes et l'apport du joueur dans les passes. Alors ce qui est intéressant, voilà, on prend l'exemple ici, le gardien a la balle et sa passe va vers le milieu défensif. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait combien de joueurs adverses une passe élimine. Alors bien sûr, les joueurs peuvent toujours se repositionner, mais en tout cas, combien de joueurs sont grillés par cette passe et donc doivent faire un effort pour se remettre dans le bloc. Alors dans ce cas-ci, c'est assez simple, deux joueurs, c'est les deux attaquants, on prend un. Donc on va donner un score de plus 2 au gardien pour cette métrique du nombre de joueurs paqués, on va dire. On prend un autre exemple, le défenseur ici qui va aller chercher un milieu. Finalement, sa passe va griller 6 joueurs, les deux attaquants et toute la ligne du milieu. Donc ce défenseur se verra attribuer pour cette passe un score de 6. Imaginons une passe latérale entre les deux défenseurs. Ici,
grillerait aucun joueur adverse, score de 0, on ne touche pas à son score. Ce qui est intéressant dans cette mesure, finalement, c'est qu'elle permet de voir la différence entre un joueur qui fait des passes, j'ai envie de dire pour le plaisir, juste pour faire des passes, et c'est lui qui fait la différence par ses passes. Un petit exemple, à nouveau des chiffres d'il y a 2-3 ans, c'est les sources principales du livre qui n'ont pas des exemples tout frais, mais voilà, deux défenseurs centraux en Bundesliga, Hummels à Dortmund et Mavrage à Cologne. On voit les précisions de pourcentage de précision de passe, 85% d'un côté, presque 90% de l'autre. On pourrait se dire, bah, sur base de ça, si je dois recruter, j'irais peut-être prendre le joueur qui va le plus assurer ses passes, Mavrage, qui a une bonne précision. Oui, ok, maintenant si on regarde la métrique dont on parle, en moyenne, Hummels passe 72 joueurs par match, principalement des attaquants. S'il fait des longs ballons, il y a peut-être aussi des milieux, éventuellement des défenseurs. Son opposant, 23. Donc finalement, on se rend compte ici que Hummels a des passes peut-être un peu plus risquées et plus utiles à l'équipe, dans le sens où ses passes vont rapprocher l'équipe du goal adverse, là où son adversaire aura peut-être, enfin, son adversaire, l'autre joueur a peut-être intérêt à faire tendance à faire des passes plus latérales, et qui donc ne vont pas forcément faire avancer son équipe vers le goal. Mais l'intention, ce packing, comme je vous l'ai dit, c'est un couteau suisse, ça reprend énormément de métriques différentes, même aussi des données défensives sur le nombre de joueurs, enfin, par rapport aux interceptions par exemple, ou des pertes de balles. Petit fait amusant, c'est qu'on s'est rendu compte que sur les 51 matchs de l'Euro en 2016, 34 ont été gagnés par les équipes qui ont packé plus d'adversaires. Trois équipes qui avaient packé plus d'adversaires ont perdu, le reste des matchs nuls, c'est pas que le Portugal. Mais voilà, vous faites le calcul et vous tombez sur le nombre de matchs nuls. Et donc on observe quand même qu'il y a une plus grande corrélation entre le nombre de joueurs packés et la victoire qu'entre la possession de balle et la victoire. On entend souvent dire, ouais, mais la possession, ça ne veut rien dire. Mais voilà, ici on a une métrique qui a priori explique mieux, ou en tout cas est mieux corrélée aux victoires que juste la possession. Et donc si on revient à notre match de tout à l'heure et qu'on compare les données, on se rend compte que les Allemands ont passé beaucoup plus de joueurs adverses grâce à leur passe. Et donc la deuxième ligne, on voit qu'ils ont passé 30 défenseurs en plus par leur passe que les Brésiliens. Si on regarde les chiffres, ça par contre c'est un peu plus actuel. Par rapport au championnat d'Espagne, là vous avez le classement des équipes qui passent le plus de défenseurs. Attention ici, on regarde juste la ligne arrière au niveau des adversaires ou de son équipe, c'est la colonne du milieu. Et puis vous avez la différence. Vous voyez que l'Atlético par exemple est assez bien coté dans la partie défenseur adverse dépassé. Par contre, est très très bon dans la partie de ne pas se faire éliminer ses défenseurs sur un match. En termes de joueurs, vous pouvez avoir le même style de données. Vous voyez que Messi, en moyenne, passe 10 défenseurs par match, que Odegaard en passe 9,5. Enfin voilà, donc ça c'est des moyennes, c'est les chiffres que vous pouvez avoir. C'est le top 5 offensif. Bon, il parle ici de midfielder, mais donc de milieu de terrain. Mais voilà, c'est le genre de données que vous pouvez avoir et avoir l'influence que peut avoir un joueur dans le jeu offensif de son équipe. Alors Impact, c'est quoi finalement? Ben, c'est la société qui a mis en place cette mesure, et ça permet aussi de parler de l'évolution de cette métrique, parce que finalement on se rend compte que passer une ligne d'attaque, c'est pas vraiment la même chose que passer une ligne du milieu ou la ligne arrière, simplement parce que la distance au goal, le nombre d'adversaires derrière, elle n'est pas le même. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne un poids aux différents joueurs en fonction de leur ligne. Donc on considère que les attaquants, c'est un point par attaquant passé. Donc si on prend le même exemple ici, le gardien reçoit 2 points. Par contre, le défenseur ne reçoit pas 6 points, mais va en recevoir 10, parce qu'on va donner 2 points par milieu de terrain dépassé. Et on va donner 3 points par défenseur dépassé. Donc ça permet de simplement de mieux pondérer les passes des joueurs. Alors maintenant, aussi voir un petit peu comment comparer des joueurs et quels outils sont à votre disposition. Alors, bon, bah, des outils pour comparer, il y a Soccerman, qui est celui que je vais utiliser dans la suite ici pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir, même à un niveau gratuit. Pour quelqu'un qui serait simplement intéressé, vous avez Scoutpanel qui, lui, par contre, bah, pour mieux comparer certains joueurs, va donner aussi des pondérations au championnat. Et donc, les statistiques d'un joueur en première ligue ne seront pas les mêmes qu'un joueur dans le championnat belge. Et finalement, l'importance de bien comparer des joueurs, notamment pour son recrutement, c'est pas tellement de trouver des pépites inconnues de tous, puisque ça, on peut considérer que maintenant, avec les données, il y aura beaucoup de clubs qui vont forcément être dessus. Mais c'est aussi et principalement d'éviter les erreurs de casting. Quand on voit les millions qui peuvent être en jeu sur des transferts, pouvoir s'abstenir de dépenser des millions dans un joueur où finalement on se rend compte a priori qu'il ne va pas caster avec le reste de l'équipe,
c'est peut-être intéressant. Alors, l'exemple que je voulais vous prendre, c'est au niveau du championnat belge. Donc, j'ai voilà, ici, vous avez les top joueurs du championnat belge pour le site Soccermen sur base de leurs métriques. Alors, il n'y a pas trop de détails sur la façon dont eux calculent ça, mais on va quand même utiliser leurs valeurs. Et donc, j'ai voulu comparer deux milieux de terrain ici qui sont présents dans le top, donc Hans Van Aken et Evadys Ojija. Alors voilà en termes de l'outil. Donc c'est un site web, vous pouvez aller dessus, il est gratuit. Si vous voulez avoir accès à la version payante à 1 € par mois, simplement en invitant 5 personnes à créer un compte, vous y aurez accès pendant 6 mois. Moi, j'ai rien à gagner par rapport à ça, c'est juste un outil que je trouve sympathique pour un peu visualiser et comparer les joueurs. Donc voilà, on va un petit peu voir ce qu'il y a moyen de faire là-dessus. Donc ici, une première partie très classique avec le nombre de matchs joués, les minutes jouées, les goals marqués, les assists, âge, pays. Le rôle, c'est vrai qu'ils n'ont pas exactement la même position sur le terrain, comme on le voit par après. Donc ici, on peut voir les positions plus sur le terrain. On voit que Van Aken est un peu plus offensif, donc les équipes sont orientées du haut vers le bas. Van Aken est un peu plus offensif que Vadis, qui lui aura plus tendance à être vraiment dans la zone centrale. En termes de contribution à leur équipe pour les tâches défensives, de construction, d'attaque, ils sont assez similaires. Vous pouvez avoir le ranking des joueurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Van Aken, sur l'ensemble de la base de données de Soccermen est le 476e joueur, le 6e meilleur joueur du championnat, le 4e meilleur joueur de Bruges, le 22e meilleur belge, 15e meilleur milieu de terrain ou le 53e meilleur joueur de 27 ans. À nouveau, dans leur base de données, sur base de leur métrique. Si on regarde simplement qui sont les meilleurs milieux offensifs, vous pouvez voir qu'il a quand même de bons concurrents dans sa catégorie. Si on regarde le top belge, à nouveau, comme on peut s'en douter, on a quelques noms auxquels on pouvait s'attendre. Donc voilà le genre de comparaison que vous pouvez voir pour chaque catégorie. Vous pouvez aller voir leur pourcentage dans différents domaines, les duels aériens, les centres, les dribbles. Ici, on voit clairement que Vadis centre plus que Van Aken, que Van Aken va shooter plus, quasi 2 fois plus que Vadis. Après, les autres chiffres se ressemblent pas mal. Vous pouvez voir la direction des passes. Alors que forcément, de par sa position un peu plus reculée, Vadis aura tendance à faire plus de passes vers l'avant. Et malgré son position plus centrale, on voit que Van Aken a tendance à préférer plus la droite que côté droit du jeu que le côté gauche, même par rapport à l'avant. Donc c'est des infos qui peuvent être intéressantes sur un joueur. Voilà, d'autres spécificités dans les chances créées, dans les dribbles, voilà. Ça, vous pouvez toujours aller voir les précisions. Voilà, donc on voit que Van Aken est un peu plus long un peu plus précis, pardon, dans ses longues passes, plus précis aussi dans sa moitié de terrain, plus précis chez l'adversaire. Maintenant, en termes de duel, par exemple, ils sont équivalents. Vous pouvez voir l'impact du joueur dans son équipe, donc 16% des shots de Bruges, c'est pour Van Aken, 12% des passes, 11% des récupérations. Voilà les infos que vous pouvez avoir. Vous pouvez voir l'évolution aussi du joueur au fil du temps. Et puis aussi, vous pouvez simplement avoir aussi des profils similaires. Alors, ils n'ont pas toujours les mêmes positions, mais ça vous donne des joueurs qui ont plus ou moins le même profil. Ça vous donne le degré de similarité entre les différents joueurs. Donc voilà, c'est toujours intéressant à voir. Donc voilà, vous avez le site là en bas, Soccermen. N'hésitez pas à jeter un œil. Bon, alors cette section est assez courte, c'est juste pour vous présenter quelques statistiques que je trouve un peu drôles et certaines utiles pour la profession de coach. Donc ça, n'hésitez pas à la montrer à votre président. Ben voilà, des études qui montrent que virer un coach, statistiquement, ça sert à rien. Vous avez le lien par rapport à l'étude, je vous laisse aller la lire. Ça peut toujours se révéler utile dans certains cas, on est d'accord. Mais voilà, donc vous avez un argument pour montrer à votre président, voilà, ça sert à rien de me virer, ça sera pas forcément mieux après. Vous parlez aussi de cette première analyse statistique dans le foot qui remonte aux années 50-60, si je me trompe pas, c'est Charles Rip, un passionné anglais qui faisait ses analyses et s'est rendu compte qu'en moyenne, pour marquer un goal, il fallait moins de 3 passes. Et donc c'est un peu comme ça que, sur base de ses conclusions, le kick and rush anglais bien connu est né. Maintenant, c'était pas forcément la meilleure analyse à faire, il fallait voir encore le style de passe. Donc ça, c'est quand on prend certains raccourcis, voilà ce que ça peut donner dans le style. Vous parlez aussi de cet exemple. À nouveau, tout ça sera dans les sources mentionné à la fin, mais la meilleure façon de défendre un avantage de 1-0, en fait, c'est simplement de continuer à attaquer de la même façon, si pas plus, pour aller mettre le deuxième.
plutôt que de vouloir jouer pour ne plus encaisser. Simplement ça. Autrement, vous diminuez vos chances de marquer et vous augmentez celle de l'adversaire de le faire. Donc voilà. La meilleure façon de se protéger à 1-0, c'est de tout faire pour aller chercher le 2-0. Et alors aussi cet exemple, enfin cette idée parlante, c'est que finalement la masse salariale d'un club est un meilleur indicateur de réussite que les dépenses en transfert. Alors cette étude a été faite en Première Ligue. À nouveau, vous trouverez tout ça dans les sources, je trouverai assez marrant de le mentionner. Bien, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dresser un tableau idyllique des statistiques en vous disant c'est magnifique, c'est ce qu'il faut, c'est le futur. Maintenant, bon, gardez quand même ça en tête, certaines limites. Déjà, la première, c'est que tout le monde n'est pas toujours d'accord, et de par le fait que chacun utilise son petit modèle à lui avec différentes subtilités, vous n'avez pas forcément toujours le même résultat. Par exemple, vous n'aurez pas les mêmes distances parcourues par une équipe en fonction des modèles qui vont être utilisés. Vous n'aurez pas forcément les mêmes expected goals pour un match analysé par deux sociétés différentes. Donc voilà, gardez ça en tête. Finalement, ça relativise l'importance que vous allez donner aux chiffres, dépendra aussi de votre fournisseur. Actuellement, on est principalement dans l'analyse post-match. Donc oui, c'est bien pour le scouting, mais finalement, qu'est-ce que ça peut vous apprendre en direct? Pour le moment, pas grand-chose, a priori. Donc ça reste encore un rôle assez limité. C'est peut-être bien pour les médias, pour les plateaux télé, de pouvoir très vite basculer dans ces analyses. Maintenant, vous, en tant que coach, qu'est-ce que ça peut vraiment vous apporter? Oui, le scouting. Mais est-ce que c'est suffisant comme analyse? On verra. Y a aussi certaines choses qui ne peuvent pas se quantifier. Par exemple, la vision de jeu d'un joueur. Comment est-ce que vous pouvez quantifier son degré de sa qualité de vision de jeu? Il faudrait peut-être beaucoup et très bien entraîner un ordinateur. Et à nouveau, deux coachs ne seront pas forcément d'accord sur les choix d'un joueur. Et donc, comment bien juger ça? Ce sera peut-être propre à chaque coach et il n'y aura pas un outil universel qui permettra de le faire. Alors aussi, ce qui est très important, c'est de bien comprendre les données qu'on manipule et le contexte. Certains joueurs vont ressortir peut-être mieux dans certains environnements en fonction des joueurs qui sont autour d'eux. Donc c'est pour ça que je suggère de ne pas se contenter de 5 matchs. En même temps, si vous avez des données sur un joueur pour 5 matchs, vous n'êtes clairement pas dans le domaine du big data, mais plutôt sur 5 saisons. Et là, je crois qu'on est d'accord que juger les matchs d'un joueur sur 5 saisons, c'est pas que c'est au-delà des capacités humaines, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Et donc peut-être que s'aider d'outils informatiques, c'est peut-être une bonne idée pour le faire. Et puis aussi, ben, on est dans un monde assez conservateur, dans le foot, je veux dire, et on peut avoir aussi peur de faire confiance à des non-footeux en se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Et surtout qu'on a besoin de résultats immédiats, mais non, parfois. Peut-être que cette tendance à l'ouverture mériterait d'être plus creusée et pourrait amener que des choses positives. Alors pour le futur, c'est des choses qu'on pouvait déjà aborder, mais c'est parfois très poussé comme chose. On pourrait analyser les choix des joueurs, ce qu'on appelle le what if, qui permet de remettre en question finalement chaque passe, chaque déplacement d'un joueur, de se dire tiens, mais s'il avait fait la passe là, est-ce que ça aurait été plus dangereux ou pas? Est-ce que ça aurait été mieux? Alors j'ai mis présent entre parenthèses, comme vous pouvez le voir, c'est parce que c'est peut-être des choses qui se font déjà maintenant, mais qui ne sont pas forcément discutées. Chaque club aime bien avoir son petit jardin secret. On pourrait ou on peut déjà peut-être simuler l'impact du remplacement d'un joueur sur base de certaines caractéristiques et de son influence, de savoir comment il se déplace sur un terrain, de pouvoir essayer de tirer avantage de ça, de se dire tiens, est-ce que j'aurais plutôt intérêt à mettre le joueur A ou le joueur B à ce moment-ci du match? Et alors aussi un truc qui est complètement dingue, c'est ce qu'on appelle le ghosting finalement. Donc c'est vous regardez votre match et vous avez finalement une ombre qui va suivre un joueur, qui va l'analyser et qui va elle vous montrer quelles sont les meilleures décisions à prendre sur base des choix que fait le joueur, et ça vous pourriez même le voir en direct. Et elle va toujours prendre les meilleures décisions sur base du modèle que vous lui aurez donné. Mais donc vous pourrez après revenir vers le joueur, lui montrer tiens, à tel moment, tu as fait tel choix, finalement celui-là était meilleur, et essayer de comprendre et d'améliorer le joueur de cette façon. Alors pour qu'il y ait quand même une partie un peu pratique, on va dire aussi pour le plus grand d'entre vous, notre quotidien c'est quand même le foot amateur. Essayer de vous amener deux sujets de réflexion. Ça peut être un peu plus drôle par moment, mais donc ce qui peut être appliqué en termes de tir au but et de penalty. Alors jusqu'à peu, je vous aurais dit par exemple dans une séance de tir au but d'être toujours là, chercher à être la première équipe qui tire, puisqu'il y avait des études qui montraient qu'il y avait 60% de chances de victoire pour la première équipe qui tire dans une séance de tir au but. Bon, la semaine dernière, j'ai lu une nouvelle étude qui finalement relativise ces chiffres. Alors cette étude de Instat l'année dernière a analysé plus de 100 000 pénalties pour vous donner un peu une idée du boulot qui a été fait. Et donc sur base de ça, ils ont sorti différentes métriques et différentes analyses de ça. Alors voici le portrait du meilleur tireur de pénalties.
Alors, il est masculin, il a plus de 30 ans, c'est a priori un attaquant ou un milieu offensif. Il serait gaucher, il serait d'origine asiatique. Vous voyez son signe du zodiaque, et alors en termes d'expérience pour les pénaltys, c'est un tireur régulier ou même le buteur de l'équipe. Alors comment ils en sont arrivés à ça? Bon, mais différentes étapes. Ici, vous voyez par tranche d'âge, donc on voit qu'entre 32 et 33 ans, c'est là qu'on a le meilleur ratio de buts sur les tirs au but. On voit qu'à l'opposé, 18-19 ans, c'est là qu'on a le moins bon. La différence est subtile, c'est 3%. Maintenant, voilà, à chaque fois, quand vous mettez ces pourcents les uns derrière les autres, ça pourrait vous donner un avantage. Peut-être pensez-y les prochaines fois pour choisir votre tireur par position. Voilà un bon argument pour montrer à votre gardien qu'il a moins de chances de marquer son pénalty que votre attaquant. En termes de gaucher-droitier, l'avantage est léger pour les gauchers, mais l'avantage est toujours là. À nouveau, je le rappelle, sur 100 000 pénaltys, on ne parle pas des 10 pénaltys d'une équipe sur la saison. Alors, comment les placer? Visiblement, sur base de ce graphique, plutôt à droite qu'à gauche, et certainement pas au centre, puisque c'est là qu'ils sont le plus sauvés. Mais quand on décortique un petit peu, en haut à gauche, c'est la meilleure possible, c'est la meilleure, le meilleur pourcentage, pardon. En bas à droite ou au milieu à droite, c'est aussi bien. Voilà, d'autres données, mais comme je vous l'ai dit, donc finalement, où vous devez shotter vos pénaltys. Essayez de coacher vos joueurs à ce que ce soit plutôt sur les côtés, si c'est à gauche, en hauteur. Comment doivent-ils les shotter? Alors, privilégier la précision plutôt que la puissance. Pas forcément une grosse prise d'élan et une vitesse d'élan moyenne. Voilà. Deuxième point que je voulais aborder, c'est les phases arrêtées. Quand on sait qu'en moyenne, une équipe a 5 corners, 10 coups francs, 18 rentrées en touche et 8 coups de pied de but par match, tout ça par équipe. Qu'entre 20 à 25% des buts viennent sur phase arrêtée. C'était 21% pour l'édition 17-18 de la Première Ligue et 28% même à la Coupe du Monde, donc quasi un goal sur 3 à la Coupe du Monde, c'était venait de phase arrêtée, hors pénalty. Que ça représente 0,3 buts par match pour une équipe moyenne mondiale. Finalement, il y a des choses à travailler. Donc, ce qui a été souligné par certains auteurs, c'est que les meilleures équipes dans ce domaine-là, principalement l'Atlético, ce qui faisait leur caractéristique, c'est que les joueurs étaient prêts et placés déjà pour récupérer les deuxièmes balles. Donc, il ne s'agissait pas juste de bien viser la première balle, mais c'était d'être prêt et efficace sur les deuxièmes balles, sur phase arrêtée. Et ça faisait la différence. Alors voilà, le moment est déjà venu finalement de conclure cette présentation, mais on va bientôt avoir la partie échange qui sera, je l'espère, très enrichissante. Alors pour vous rappeler un petit peu toutes les métriques qu'on a vues, donc on a principalement beaucoup parlé de expected goals et tout ce qu'on peut en faire. Donc le expected goal chain, le pre-expected goal chain, voir aussi qu'on peut juger les gardiens de cette façon, le packing, j'espère que ça pourra parfois vous poser certaines questions au moment où vous regardez un match, dire à ce propos qu'on peut juger le nombre d'adversaires éliminés sur une passe. Donc on peut juger le passeur, on peut aussi juger le receveur et donc juger la qualité de ses déplacements. Est-ce qu'il arrive à bien se déplacer pour recevoir ses passes? Est-ce que ses déplacements sont efficaces? Donc voilà des métriques finalement très intéressantes. On aurait pu aussi parler de beaucoup de vidéos, de voir comment on peut reconnaître des joueurs et les suivre sur un terrain, voir comment on peut reconnaître des systèmes, voir comment on peut reconnaître des animations, des séquences de jeu, que ce soit être en possession, être en perte de balle, gérer les transitions. Et donc finalement, quand on pense à tous ces gens qui passent leur temps à taguer des matchs, pour essayer de les découper, ce découpage pourrait être fait de manière automatique. Vous parlez d'une métrique qui est le Passport Defensive Action. Alors, derrière ce nom un peu barbare, se cache en fait simplement une métrique pour juger la qualité de pressing d'une équipe. Et vous parlez aussi de métrique défensive, mais bon voilà, il a fallu faire des choix. Et donc voilà, vous avez pu voir les choix que moi j'ai fait. Alors, pas vous quitter sans vous conseiller quelques sites internet et autres sources sur lesquelles vous pouvez encore aller chercher plein d'informations. Certains sont gratuits, d'autres pas. Mais non, bon, je crois que c'est pas mal non plus de savoir qu'ils existent. Aussi vous dire que finalement, s'il y a bien un championnat où tout ça est très poussé, c'est le championnat allemand où la fédération oblige les clubs à partager les données. Là où je pense qu'en Angleterre, les données restent au sein des clubs et donc il n'y a pas tellement de partage. Donc ça permet aussi d'aller plus loin dans la recherche et d'essayer toujours d'aller plus loin dans les analyses qu'on veut faire. Deux clubs pionniers, alors c'est pas juste en matière de recrutement, mais c'est vraiment la façon dont ils gèrent leur club. C'est Brentford qui est en deuxième division anglaise et ce club danois dont je vous passe la prononciation du nom, qui bossent d'ailleurs ensemble, de par le fait qu'ils ont des dirigeants en commun
qui sont vraiment à fond dans ces nouvelles technologies pour essayer de récupérer tous les pourcents qui peuvent les avantager pendant la préparation de match. Voilà, et pas vous quitter sans vous conseiller quelques lectures. Alors celle-ci, c'est celle finalement sur laquelle je me suis le plus basé pour cette présentation. Mais il y en a d'autres, certaines en français, comme vous pouvez le voir à chaque fois quand les couvertures sont proches, c'est la version anglaise, française. Les autres doivent aussi exister en version traduite, et même aussi des lectures exclusivement francophones. Voilà, et donc si je voulais peut-être garder deux idées importantes, on va dire, pour vraiment conclure ça, c'est que finalement le plus important, c'est peut-être pas de trouver la bonne réponse, mais plutôt de trouver la bonne question, puisque chaque coach posera ses questions à lui. Et donc le tout, c'est pas de vouloir prendre les chiffres des autres, mais peut-être de voir ce qui nous convient à chacun. Ok, on parle de niveau pro, mais finalement, chacun a sa façon de voir un match, et donc chacun doit prendre ce qui l'intéresse le plus et ce à quoi il est le plus sensible. Et alors aussi, il faut arrêter de croire qu'on donne le pouvoir aux machines. On parle souvent dans le big data, c'est des outils d'aide à la décision. Et donc l'idée, c'est que vous ayez un assistant en plus qui ne se fatigue pas et qui peut analyser énormément de données. Et donc en aucun cas, on lui donne les clés de la gestion de l'équipe. Ce n'est pas lui qui va vous donner l'équipe. Lui va vous donner des clés, des pistes, mais vous serez quand même toujours le dernier maître à bord. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, eh bien, je remercie vraiment Stéphane pour ses explications et je vois qu'il y a eu pas mal de questions et de réflexions lors de cette présentation. Donc là, j'espère que Stéphane a bien pris note des remarques, sinon je vais les relire tout à l'heure. Et c'est vrai que finalement, pour ma part, je vais un peu voir les matchs différemment et voir un peu aussi les statistiques différemment. Ça, c'est important de ce que Stéphane nous a expliqué, c'est vraiment de regarder les chiffres différemment, mais voilà, je vais le laisser après la place. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va basculer sur une deuxième séance YouTube Live. Donc, on va clôturer celle-ci et vous allez voir qu'il y a une deuxième qui va à un moment donné apparaître. Et à ce moment-là, ben, vous aurez Stéphane qui sera ben, en direct. Vous le verrez en direct. Donc, vous pourrez toujours vous poser vos questions via le deuxième chat live. Sur sa thématique. Donc voilà. Donc voilà. Donc on vous quitte deux petites minutes et on revient en live sur une deuxième séance. Donc gardez bien vos questions. On arrive.